Pour faire du cidre, j'ai besoin de pommes. Il faut les hacher et les presser pour obtenir du jus. Jusque-là, je crois ne pas me tromper. Après, il faut faire fermenter le jus. J'ai utilisé ce bidon acheté en kit sur Amazon et il est fait pour ça. Donc, il est aussi fait pour la bière et le vin, mais il est adapté. Il y a un robinet pour tirer et sur le couvercle un trou pour les évacuations de gaz où on positionne un barboteur. Bon, donc dans un premier temps, j'ai mis mon jus. Positionner le barboteur et attendu plusieurs jours jusqu'à avoir une belle mousse dessus, puis le chapeau de défécation. On vient le sucre au début de fermentation aussi. Après, j'ai utilisé un densimètre pour contrôler la teneur en alcool, qui a toujours été très faible. Le chapeau fait, j'ai changé le jus de récipient et je l'ai conservé au froid. J'ai ensuite mis en bouteille progressivement, mais le goût n'a jamais été très exceptionnel. Et le jus est ensuite devenu du vinaigre.